faire vite parce que. Radium, c'est pas évident mon grand. C'est pas évident déjà. On va faire ça, ça va pas être prêt. Oh, c'est pas vilain. Oh, c'est pas vilain. C'est joli ça. Non. Ouais, c'est joli ça. Ça fait plus de 50, voilà. Avec une croix. J'en prends un petit avant sur avec un spinner bait. Et en fait, il avait une écrevisse dans la gueule quand je le prends. Mais il l'avait même pas avalé quoi. Et il l'a recraché quand je l'ai attrapé, quand je l'ai ramené hors de l'eau. Et là voilà sur ce qu'on appelle un j'ai pas de pince là, j'ai rien parce que je viens de monter la canne, c'est juste avant de dîner, voilà, sur un jig rig comme ça, posé sur les herbiers. Un peu le même coloris que l'écrevisse que petit camarade d'avant avait dans ma gueule, enfin sur la cam. Voilà, c'est un super poisson qui on va rendre sa liberté. Mais ce que je vais vous montrer d'abord, c'est que c'est une canne que je suis en train de tester. Voilà, shoot and cut Sharp S de Gunky. Donc là, en taille 250, super sensation. Voilà, premier gros poisson avec, vous voyez, quand même costaud. Bon, j'ai rien pour le mesurer, c'est dommage, mais bon, je pense que. Fait, c'est plus de 50. Voilà. Allez, super poisson qu'on va remettre à l'eau.